La Ligue départementale du sport du travail et le groupe Chardin-Farel, officiellement liés. La signature de ce partenariat gagnant-gagnant, à en croire les responsables des structures citées, a eu lieu le jeudi 21 mars 2019 dans l'enceinte de la direction générale du dit groupe à Mawata, en présence d'une dizaine de témoins. La philosophie de cet accord de 2 ans, c'est impulser une nouvelle dynamique dans la pratique du sport en milieu professionnel. Nous, on s'inscrit véritablement dans cette perspective-là, qui est que le sport, aujourd'hui, est un enjeu stratégique pour de nombreuses entreprises. On sait aujourd'hui qu'au Congo, le contexte économique est difficile, mais malgré tout, on voit des sociétés comme Chardin-Farel aujourd'hui s'investir pleinement dans la pratique sportive parce qu'on comprend bien que c'est là où on peut gagner beaucoup. Par ce partenariat, le groupe Chardin-Farel entend apporter la logistique et accompagner cette ligue dans le volet communication. Cette structure fait du sport au travail un levier important dans son développement. Seul, on va vite, très vite même, mais en équipe, on va plus loin. Et Chardin-Farel a un objectif d'aller beaucoup plus loin, et donc on a besoin d'être en équipe. Et les entreprises ou les équipes communiquent réussissent. Ils réussissent beaucoup plus facilement que là où ça ne communique pas. Donc ça, c'est le deuxième objectif que nous visons dans ce partenariat, développer le sport au niveau de notre entreprise. Le sport du travail, synonyme de la bonne santé physique et psychologique, optimise les performances des entreprises.